Allez, on y va. Espérons que personne ne me remarque. Διαφυγή με ενδεύθεν παντή τρόπο. Merci, Mistios. Je n'oublierai pas ton geste. Je ne saurai jamais tout. Allez.
Hiya! Hey, hey. Dieu. Merci, Mystios. Tu m'as sauvé. Merci. Il faut que tu me libères avant que ces vautours ne me dévorent les yeux. Sans parler des loups, j'en ai vu dans les fourrés tout à l'heure. Tu m'as appelé Mystios. Tu dois savoir que mes services se paient. Tu n'as pas l'air... en mesure de payer. Attends, écoute-moi. Ceux qui m'ont fait ça m'ont pris tout ce que j'avais et m'ont laissé pour mort. Ils ont des tas d'autres trésors et d'objets dans leurs repères. Si tu me libères, je te dirai où les trouver. Vite, Mystios, détache-moi. Malaka, des loups. Tu m'as sauvé, je te dois tout. Tu es en vie et libre. Alors parle-moi de ma récompense. Ces Malakès m'ont pris mon seul bien de valeur.
un objet de famille, une amulette que je tenais de ma mère. Ils conservent leur butin sous l'eau, dans une grotte à l'ouest d'ici. Lequel de ces bandits t'a pris ton amulette ? Leur chef, un costaud armé d'une hache énorme. C'est lui qui la porte maintenant. Tue-le et tu pourras garder l'amulette. Qui t'a laissé dans cet état ? Les disciples d'Arès. Je les ai rejoints en espérant devenir riche. Mais les sacrifices et les meurtres, Mystios, c'est horrible. J'ai essayé de m'enfuir avec une partie de leur butin. Et ils t'ont rattrapé. Il faut que tu les tues, Mystios. Tous, ils sont fous. Tu espères rester en vie après avoir quitté les disciples d'Arès. Tu comptes t'y prendre comment ? Je m'attendais à devenir une charogne. Mais attends, peut-être que... Je sens que ça ne va pas me plaire. Et si je travaillais pour toi ? Je sais me battre ! J'aurais au moins appris ça chez les disciples d'Arès. Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord. Désormais, tu travailles pour moi. Ça m'étonnerait que tu me sois très utile, mais c'est mieux que rien. Je te reverrai sur ton navire alors, capitaine. Avant cela, tâche de te trouver des vêtements. C'est ici. Ah!
Cette amulette sera parfaite. Ça doit être l'amulette dont parlait le modèle de sculpteur. Ça a l'air précieux. Malaka, il y a des disciples d'Arès, plus loin. Ah!
Qui devait-il rencontrer? Je dois le découvrir. Il faut que je lui parle. Ah. Tu es qui, toi? Tu as engagé les Mistios pour t'aider à faire passer des déserteurs. Tu es là. Qu'est-ce qu'ils avaient contre toi? Les soldats me soupçonnent d'emmener des déserteurs loin du front. Bon, d'accord, ils savaient que j'étais coupable. Saleté de garde! Ils cognent comme des sourds! Tu as vu un homme en venant ici? Une sorte d'idiot tout maigre, en tenue de soldat? J'ai trouvé un cadavre dans le ravin. Il avait un message sur lui. Mort? Non, non, il peut pas être mort. On avait la solution idéale pour qu'il retrouve sa femme. Je lui ai promis que je ne laisserai pas finir comme les autres déserteurs. Tu dois être proche de lui pour risquer ainsi ta vie à l'aider. Ou alors il payait très bien. Je l'ai fait à cause de la fille. La fille? Quelle fille? Sa femme? Il y a toujours une fille, n'est-ce pas? Écoute, il a été enrôlé pour la guerre. Elle pleurait sans arrêt. Et ma spécialité, c'est de faire disparaître les gens. Enfin, d'une manière différente de la tienne. Alors, j'ai décidé de les aider à se retrouver. Tu veux seulement la voir pour toi tout seul? Ce n'est pas ça. Je veux dire, j'y ai pensé, oui, mais... Écoute, je veux juste... la voir sourire. D'accord? Je n'en doute pas. Il faut qu'on aille voir Isabelle, enfin sa femme. Si les gardes s'en sont pris à moi, elle est en danger elle aussi. Je t'en prie, va la voir. Je viendrai la mettre à l'abri quand je pourrai. Je vais m'assurer qu'elle ne craint rien. Où vais-je la trouver? Suis la route jusqu'à Kidonia. Sa maison sera sur la gauche. Cherche une étoffe verte sur le montant de la porte. Je viendrai le plus vite possible. Kerry.
préfère pas me distancer. Maintenant ! Par tous les dieux, tu es qui, toi ? J'ai l'impression qu'elle s'est bien battue, mais pas assez bien. J'ai vu les corps des gardes à l'extérieur. Beau travail, Mistios. Ils sont arrivés avant moi. Je n'ai pas pu la sauver. Seulement la venger. Elle me faisait confiance, Mistios. Tout ce que je voulais, c'était la faire sourire. Mais chaque fois que j'essayais, je l'ai seulement fait souffrir. C'est toujours la même chose. Je n'aurais pas dû lui parler de mon projet idiot de les réunir. Elle et son mari. C'est moi qui l'ai tué. N'est-ce pas ? Non, c'est faux. Personne n'a voulu que ça se termine comme ça. Surtout pas toi. Tout semblait aller bien quand elle souriait, tu sais. Peu importait à qui, l'essentiel était qu'elle sourie. Tu as fait de ton mieux. Mais le mieux de quelqu'un n'est jamais assez. Non, c'est vrai, tu as raison. Prends ceci. J'allais le lui donner après les avoir aidés à fuir Kidonia. Pour les jours difficiles. Ils n'en auront plus besoin. Et c'est devenu un fardeau. Prends-le en paiement de tes services. Et laisse-moi, s'il te plaît.
peux me dire ce qui se passe? Il y a de graves troubles à Kidonia, Mystios. Les gardes et les marchands sont sur le point de se battre. Les gardes sont au service des habitants. Qu'est-ce qui les oppose? Les impôts. Les marchands refusent leur augmentation. Et les gardes prennent plaisir à les prélever. Dioclès, leur capitaine, est plus un bandit qu'un simple garde. Ces troubles nuisent aux affaires. J'aimerais que tu calmes tout tempérament violent à Kidonia. Un capitaine assoiffé de pouvoir, des troubles civils, c'est beaucoup de travail. Qui sera largement récompensé. J'ai des pierres précieuses qui, j'en suis sûr, devraient plaire à quelqu'un comme toi. Je serais ravi de t'aider. Bien. Tu constateras des tensions à l'Agora, au marché de l'Est et sur les quais. Tu as besoin de savoir autre chose? Je peux utiliser tous les moyens pour mettre fin à ces troubles? Un Mystios a tendance à tout vouloir résoudre par la force. Certes, tuer tous les participants apporterait l'apaisement, mais on obtient parfois de meilleurs résultats en discutant. Si l'augmentation des impôts est la cause, ne serait-il pas plus simple de les réduire? Tu sais bien que le monde grec est en guerre, que la guerre coûte très cher, et que Kidonia a besoin de navires et d'armées. Nous ne pouvons pas rester sans défense. Tu as parlé de Dioclès, le capitaine des gardes. Qui est-ce? Tout sauf un homme du peuple, Mystios. C'est sur son incitation que les gardes malmènent tant les marchands. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Fais ce qu'il faut pour rétablir l'ordre. Mais surveille tes arrières. Certains cherchent à tirer profit de ces troubles. Nous te faisons confiance, Mystios. Justice, Mystios! À mes yeux, c'est tout sauf de la justice! Qu'est-ce que cela peut te faire? C'est la famille d'un des gardes qui nous bat et nous harcèle! C'est largement mérité! Ces augmentations d'impôts sont ridicules! Ils sont en train de nous étrangler! Nous devons nous lever et nous battre! Inutile d'employer la violence! On peut en parler! Parler? Ils ont cassé nos marchandises! Ils nous ont battus! Oui, c'est vrai! Et peut-être qu'il devrait payer. Mais cette famille n'a rien fait. Cet enfant n'a rien fait. Ces gens sont innocents. Mais il faut bien leur donner une leçon. Leur montrer qu'on ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas le bon moyen. Ils te paient, c'est ça? Tu travailles pour eux? Très bien, Mystios. On ne fera rien à la femme et à l'enfant. Mais on n'en a pas fini avec toi. Nous aussi, on a nos mercenaires. De nous retenir. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que c'est que cette ville où les gardes s'en prennent à la population? C'est simple. Vous ne payez pas les impôts, on confisque vos biens. Maintenant, écartez-vous. Sinon quoi? Mystios, s'il te plaît, ramène ces idiots à la raison. Si on nous empêche de continuer à commercer, l'économie de Kidonia va s'effondrer. Ça ne te regarde pas, Mystios. Ce sont les lois locales. Ils cèdent leurs marchandises, tout se terminera bien. Les lois, c'est pour les faibles. Les gens devraient vivre libres. Ces marchands ne vous donneront pas une seule drachme. Tu vas le regretter. Tuez le Mystios! Nous en avons parfaitement le droit, puisque vous ne payez pas vos impôts. Ah! 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 Ah!
mal. Coupez en deux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce Malaka doit payer ses impôts comme tout le monde. Sinon, nous casserons toutes les poteries de l'Agora. Ce sont les ordres du capitaine Dioclès. Laisse ce marchand tranquille. Tu en as assez fait. Ah! Tu veux te faire cogner, Mistios? On peut aussi s'occuper de toi. Hey, viens m'aider! Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que le capitaine Dioclès m'a privé de mon paiement. Oh.
Attends. Au moins, le capitaine a eu la décence de garder mes pierres sur lui. Il ne faut jamais se mettre entre un Mistio et sa paye.
Thank you.
Que tes forces t'abandonnent. Thank you.
Nous ferons tout pour écraser ceux qui s'opposent à nous. Thank you.
et on s'écarte. C'est fait. Gortyn est affaibli et prête pour un nouveau dirigeant. Loué soient les dieux. Voilà de quoi te remercier. Après une guerre, la boulée choisit un nouveau dirigeant. Les disciples d'Arès sont maintenant chez Hadès. Merci, Mystios. Comment pouvons-nous te remercier? La justice n'a pas de prix. Ces hommes ont mérité leur mort. Tu nous as offert ce que l'argent ne peut acheter, la paix. Et nous t'en serons éternellement reconnaissants. Mais nous ne pouvons partir sans te montrer notre gratitude. Accepte ceci. Je n'en aurai plus besoin. Oh!